Je lavais à tous les printemps le dessus des meubles et armoires de cuisine et comme vous le savez, ce n'est pas toujours facile de bien tout nettoyer et dégraisser. Je vous propose donc des trucs pour laver plus facilement et même pour ne plus nettoyer et dégraisser le dessus de vos armoires de cuisine. 1. Truc pour enlever la poussière et la graisse facilement. Le plus important, je crois, c'est de ne pas attendre des années et des années avant de nettoyer le dessus de vos placards et armoires. Sans quoi il sera difficile et très long à tout nettoyer et dégraisser. La solution nettoyante qui fonctionne à tout coup est la suivante. Mélangez du savon de Marseille dans de l'eau chaude et imbibez une éponge. Frottez le dessus des meubles de cuisine et répétez pour bien enlever toutes les taches graisseuses et collantes. Si vous n'avez pas de savon de Marseille, du savon vaisselle liquide peut très bien faire l'affaire aussi, surtout si vous nettoyez régulièrement le haut des armoires. 2. Placez du papier parchemin sur le dessus des armoires de cuisine. J'ai trouvé le truc pour ne plus jamais nettoyer et dégraisser le haut de ces armoires de cuisine et j'ai nommé le papier parchemin, ou le papier sulfurisé si vous préférez. Commencez bien sûr par nettoyer le dessus des armoires et ensuite, disposez du papier parchemin sur toute la surface pour empêcher les poussières et autres saletés graisseuses de salir et encrasser le dessus des armoires. Retirez et changez le papier sulfurisé 1 à 2 fois par an, pour conserver le haut des armoires propres et sans graisse de cuisson. Vous pouvez aussi utiliser du papier journal, de la pellicule plastique, des linges ou encore de vieux draps pour recouvrir le dessus des meubles et armoires de cuisine. Croyez-moi, vous allez sauver beaucoup de temps avec ce petit truc. Bien sûr, vous pouvez avoir recours à plein d'autres trucs et produits naturels pour dégraisser les meubles de cuisine et le haut des placards de cuisine, mais avec ce truc du papier parchemin, fini cette difficile tâche ménagère.